salut à tous, c'est Justine et je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle séance en temps réel. Mais cette fois-ci, pas avec n'importe qui, je suis accompagnée de la belle Feedback Lem. Hello les bandeaux et j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très ravie de vous retrouver aujourd'hui sur la chaîne de ma super copine Justine pour une séance pleine de transpi et de bonne humeur comme on les aime. D'ailleurs, au programme aujourd'hui, on va partir sur un HIIT brûle-graisse de 18 minutes sans aucun matériel. Et vous allez voir, la construction va être un petit peu différente. Donc cette vidéo, ce sera un enregistrement du live qu'on a fait sur Instagram mardi. Donc elle sera forcément en qualité Instagram, avec l'écran divisé en deux, pour encore plus de mourance. Et de dégoulinance, comme dirait Juju. Bref, j'ai vraiment hâte de faire la séance avec vous. On va d'ailleurs commencer avec un petit échauffement que je vais mener. Et ensuite, on enchaînera directement avec la séance juste derrière. Vous êtes prêts? Alors j'espère que vous êtes prêts. C'est parti. C'est parti. Alors aujourd'hui on a 6 exercices. 6 exercices à réaliser sous forme de HIIT. 35 secondes d'effort et 25 secondes de récup. Il y a un petit peu plus d'effort, donc gérez bien. C'est 18 minutes, c'est court, donc donnez-vous à fond. Petit verrouillage des poignets. Petit tour dans un sens, dans un autre. On commence par le demi-verrouillage articulaire. Et après on fera un petit travail de mobilité. Et ensuite, on va échauffer aussi le cardio, hein, parce que c'est pas tout, mais on peut pas avoir besoin. Mettez les mains sur les épaules, on fait des cercles avec les coudes. Donc là, on vient échauffer les épaules. Ah, j'espère que vous êtes au taquet, hein. Ouais, on est au taquet à la maison. On est plus de 8000 et ça continue de monter. Yes, allez, c'est parti, on change de sens. Croyez-moi. On va échauffer vraiment toutes les articulations du corps, on passe au coude. Vous allez mettre la main sous le coude. En dessous, au-dessus. Yes. Ok. La même chose dans le dos de l'autre côté. Main sous le coude. Faites bien l'échauffement, très important. Yes, très très important avant de commencer la séance pour se mettre en condition. Maintenant, le mouvement super glamour de l'échauffement, les hanches. Vers l'arrière, côté, devant, comme si vous faites du hula-hoop. Oulaouf, prochain échauffement de clem, ça va être du twerk, vous allez voir. Voilà, ça échauffe bien le bassin, hein, le twerk. Hein. Mine de rien. Ok, vous faites 3 tours dans un sens, 3 tours dans l'autre. Hein. Hop. Ok, la même chose avec les genoux, très très important parce qu'il y aura des impacts aujourd'hui. Rotation pour échauffer l'articulation dans tous les sens du mouvement. Vous changez, hop. On fait 5 cercles d'un sens, 5 cercles de l'autre, c'est très bien. Ok, la même chose avec les chevilles. Et ensuite, on commencera à activer musculairement et activer le cardio aussi. Hein. Changez de sens, vous faites 5 tours dans un sens, 5 tours dans l'autre. En allant chercher bien loin avec votre talon. Tac. Donc là, c'est la partie easy de l'échauffement. Hein. Ok, quand vous avez fini les 5 tours, hop. On va venir juste plier et pousser, tout simplement. Là, on va échauffer un petit peu le bas du corps. Donc, pourquoi on fait des petits talons-fesses? C'est juste pour stretcher dynamiquement au niveau du quadriceps. Hop! Donc, on fait comme si on allait se botter les fesses, tranquillement. On souffle à la remontée. On pense à gainer ses abdos. Et on se grandit. Tac! 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 Tac, on en fait encore deux. Soufflez. Ok, maintenant, regardez. Là, genou. Et genou. Genou. Pardon pour la coordination. Vous le faites vraiment en genou, comme vous pouvez. Genou. En sortant bien la hanche. Là. Comme si vous alliez filer, pardon, un coup de genou avec quelqu'un. Hop. Genou. Hop. Genou. Hop. Vous pouvez monter sur la pointe de pied, ça ne vous fera pas de mal. Ça échauffera aussi un petit peu les chevilles. Hop, on en prend encore deux. Hop, encore un. Hop. Ok, donc maintenant on passe en squat, tranquillement. Talons sous les hanches. On vient descendre, tranquillement. On souffle en remontant. Donc sur le squat, on pousse les fesses vers l'arrière et les genoux vers l'avant pour être un peu équilibré au niveau flexion du bassin et flexion des genoux. Bien sûr, regarde devant soi. On souffle en remontant. On en fait encore deux. Ok, là, on va se stopper en bas. Petit
petit exercice de mobilité tranquillou. Donc là, on ouvre bien les genoux vers l'extérieur avec ses avant-bras. Et surtout, on pense à se grandir. Les talons restent au sol. Tac. Ça permet de faire. On remonte. Ça vous permet de faire le bas du corps, les deux seuls sexes. Pardon? Je leur parlais. On va avancer vers le sol, c'est pas fini, c'est pas fini. Là, on plie et on marche en planche. On souffle en remontant. Tac. Donc là, on garde les abdos bien gainés. Le regard, pardon, suit le corps. Soufflez en remontant. Là, je pense qu'on se sera bien échauffé. Hein. Normalement, vous devrez commencer à avoir un petit peu chaud hein, à la maison. Allez, on en fait encore deux. Tranquillou. Encore un. Ok. Tranquillou. On est échauffé. Parfait. T'es good. Génial, la team. On est 8500 en direct. Ça fait plaisir. Buvez un petit coup. On va passer la séance dans quelques instants. Lancez le tempo, le chrono. On est parti, je vous rappelle, pour 6 exercices. 35 secondes d'exercice, 25 secondes de pause, 3 tours. Le premier tour ne sera pas pareil que le deuxième et le troisième. Est-ce que tu es prête, Clem? C'est la surprise du chef, yes! Est-ce que vous êtes prête? Mettez-nous l'avalanche de cœur, mettez-nous l'avalanche de cœur! Est-ce que vous êtes chaud? Est-ce que vous êtes motivé? Est-ce qu'on est chaud? Est-ce qu'on est chaud chez moi? Ok, très bien. J'ouvre une fenêtre parce qu'il fait très chaud chez moi. Et on attaque dans 3, 2, 1. On commence avec squat simple. C'est parti, squat. C'est parti, go. Donc comme sur l'échauffement, sauf que cette fois-ci, on peut aller un peu plus vite. Hein. Le but, c'est que ce soit intense. Donc gardez l'amplitude, gardez les talons collés au sol. Soufflez, grandissez-vous. Descendez le plus bas possible. Entrez bien vos pieds au sol et repoussez le sol avec. On descend bien bas, on tire les fessiers en arrière. Yes, allez, exactement, on est en amplitude. 3, 2, et 1. Top récup, Clem. C'est bien la team. Secoue les jambes. Deuxième exercice, Clem et la team, on est à burpees, sans la pompe. Ok? Burpees simplifié, donc vous restez bras tendus, vous passez juste en planche. Hein. Et vous me faites le jump, ok? Et si jamais vous ne pouvez pas sauter, on peut leur proposer de faire en haut. Yes. Allez, top, c'est parti. C'est parti. Allez, donnez un peu à fond. Gainez bien vos abdos, soufflez quand vous remontez. Alors, on s'accroche. Allez, on continue. Allez, fais bien les mains. 3, 2, et 1. Wouh! Ah, ça commence bien pour ce premier tour, hein, ça déménage. Là, on commence déjà à piquer. Ensuite, on va être sur une planche simple, gainage sur les coudes. On va écouter Clem pour le positionnement, on s'installe déjà sur son tapis. Yes! Installez-vous sur votre tapis directement. Allez, on attaque dans 3, 2, sur les avant-bras. Et jambes tendues. Donc là, ici, pas les fesses trop hautes. Hein. Et surtout, pas tomber. Imaginez que vous avez le dos comme une sable, droit comme une sable. Vous pensez à vous grandir du sommet du crâne. Là, on engage aussi le périnée, c'est très important. Bon, concrètement, ça veut dire que vous faites comme si vous retenez la toilette. Si vous engagez le périnée en même temps, sur le gainage, vos abdos ne peuvent pas se relâcher. Ça rend les travaux longtemps. Plus intense. 2, 1, et top, récup. Yes. Ok, relâchez. Quatrième exercice, on sera sur les fentes arrière. Classique. Fentes arrière alternées. Et après, vous allez voir, tout ça va s'intensifier au deuxième et troisième tour. Soufflez, récupérez, surtout ne vous asseyez pas entre les exercices. Hein. Allez, on n'est pas là pour
ici. Nous, on sait pourquoi on s'est connecté aujourd'hui. J'ai l'argent de manche. Allez, ma clémou. Top, c'est parti. C'est parti, 35 secondes. Fente, alternez. Donc les deux jambes se plient. Hein. Le buste reste à la verticale autant que possible. Et à chaque fois, pour ramener la jambe, vous appuyez sur la jambe avant, le talon avant plus précisément. On garde la poitrine ouverte. Omoplate bien connectée. Hop. Allez, on va vers l'arrière. On vient bien engager la chaîne postérieure du fessier en appuyant sur son talon. 3, 2, on souffle en remontant. 1. Ok. Tu sais, quand je me mets à crier, je me mets à avoir l'accent du sud, je sais pas pourquoi. La fille habite à Nice depuis un mois et demi, elle a pris l'accent du sud, c'est n'importe quoi. D'ailleurs, respire aussi, hein. C'est bien. Bravo, ma Clem, bravo la team, on lâche rien. Allez, prochain exercice, jumping jack. Quoi? Oui, jumping jack. Jumping jack. Exactement, ma Clem. Et ben, top, c'est parti. C'est parti. T'as, je sais jamais comment je suis synchro, moi. Non, mais alors, vous pouvez faire les deux options, hein. Ça, c'est qu'on n'est pas trop coordonné. On fait les deux en même temps, pardon. Hop, on va mettre les bras en même temps. En l'air. Pliez les jambes. On vous laisse sur l'ouverture. Allez, on accélère. Pointe de pied talon, pointe de pied talon. Allez, les soulevés. 4, 3. Allez, à fond. Et 1, très bien. Donnez-vous à fond parce que ça ne dure pas longtemps, mais c'est très intensif. Hein. Ah oui, on est déjà essoufflé hein, quand même. Là, vous devez vous donner au max, vitesse max sur chaque exercice. On n'a que 3 tours, que 18 mouvements à faire. Alors, on compte sur vous, ne lâchez rien. Prochain exercice, Justine. Quoi? Prochain exercice, c'est... Allez, pompe surélevée. Enfin, pompe, genou plus main relevée. Donc, ça fait pompe. On relève les mains et on remonte. Sur les genoux ou sur la pointe des pieds. Sur les genoux, sur les pointes des pieds pour les plus à l'aise d'entre vous. Posez la poitrine au sol, lève les mains et reviens en position tendue. Aide-toi les mains sur le sol, gaine tes abdos. Souffle sur la remontée. Quand t'es en haut, tes bras ils sont à la verticale, les poignets sont sous les épaules. Allez, 5, 4, 3, 2 et 1. 25 secondes. Ok, on a fini le premier tour, ma Clem. On a fini le premier tour, les gens. Là, c'est juste le premier tour. Déjà, le premier tour s'est passé super vite, 6 minutes. Maintenant, on va faire premier tour. On avait squat. On va commencer l'option difficile à partir de maintenant. Squat sauté. T'es prête, ma Clem? On leur envoie ça. Allez, let's go. Ça va piquer, piquer. On reprend en 5, 4, 3, 2, 1. Allez, on descend bien en bas. Et on jump. Allez, on s'accroche. Soufflez. Rappelez-vous, votre rythme, c'est votre propre rythme. On cherche à se surpasser. Soi-même. Parce que vous faites des demi-squats, c'est pareil, on peut en faire pendant 3 heures. Option pour ceux qui font pas le saut, vous restez en squat. On souffle sur l'extension. On laisse pas la poitrine retomber vers le sol. Ça pique les cuisses, allez, on continue. Allez, 5, 4, 3, 2 et 1. Très bien. Ouh, ensuite, on a fait tourner les cuisses. De quoi, Clem? Ça pique fort les cuisses, hein. Oh oui. Et c'est pas fini parce que qu'est-ce qu'on a en deuxième exercice du deuxième tour, ma Clem? Un burpee. Burpee complet. Avec pompe. Burpee complet. Cette fois-ci, on ajoute la pompe en bas. Posez la poitrine au sol directement. Ne décomposez pas. Faites pas une pompe en vous arrêtant en planche. Gardez l'énergie. Allez, c'est prêt. Et top, c'est parti. C'est parti. Hop. Soufflez sur l'extension encore une fois. Regardez devant vous. Allez, courage, on s'accroche. Toujours à vous gainer. Poitrine au sol. Allez, c'est bon, vous sautez. Tu peux encore en faire 3. Allez, 3, 2, 1. Wouh! Ok. Maintenant, c'était gainage. Gainage commando, vous devez déjà commencer à être en petite transpirance comme Clem et moi. Ah Clem, on en aura vécu des expériences intensives. On passe en gainage dynamique. Mettez-vous sur votre tapis.
3, 2, 1. On part sur les avant-bras. Et on monte les bras. Soufflez. Profitez-en sur cet exercice pour récupérer. Ils en ont bien bouffé hier, les planches commando déjà. Tension facile, si j'arrive pas à tenir, je reste sur les genoux. Changez le bras qui remonte de temps en temps quand même. Hein. Allez, on gagne ses abdos. On garde le bassin le plus stable possible. Allez, 5, 4, 3, 2, 1. Seigneur, allez, on lâche pas. Vous avez donc... Le prochain, il va signer notre mort. Là, on va être sur les fins de sauter. Vous avez vu les options plus faciles au premier tour. Vous les gardez si besoin. Sinon, on envoie la sauce. Fin de sauter, on va donner tout ce qu'on a. Allez, on s'accroche. C'est bien la team, lâchez pas. Allez, top, c'est parti. C'est parti. Pensez à garder tout le pied. Largeur de hanche. Pliez vos deux jambes. Gagne les abdos. Garde la poitrine bien sortie. Allez, courage. Allez, 15 secondes. Twitch. Option facile. Pompe alternée sans sauter. Allez, cuisse, ça pique. Allez, 5, 4, 3, 2 et 1. C'est bien. Yeah. Allez, approchez-vous. Approchez-vous, on arrive à la fin du deuxième tour bientôt. Exposing Star Jack. Alors, on met un petit peu plus de difficulté dans le Jumping Jack cette fois-ci. Hop, hop. C'est bien. On écarte pour aller sur le saut. C'est bien plus groupé comme ça, Claire. Hein. Et t'as, c'est parti. Ouh. Autant pour moi. Et les jambes, et souffle. Donc là, on va rester sur l'amplitude en pliant les jambes. On groupe, on dégroupe. Accrochez-vous. 15 secondes. Là, ça claque. Ça me ressort sur la flexion. Allez, 5, 4, 3, 2, et 1, récupère. Wouh! Donc là, vous avez vu, ce hit, il est vraiment un petit peu plus axé bas du corps. Hein. Vous devez sentir au niveau des cuisses. Petite fessie aussi. C'est qu'elle est bavarde, la petite bike lane. Tu veux que je te dise hein? Pompe desktop, dead stop. Pompe relevé main. Ça, on garde. On change pas. On est prête, Clem? Allez, c'est parti. Donc, on garde la même. Hein. La même que le premier tour. Sur celui-ci, on pense juste à plier et lever. Allez, on s'accroche, la team. Si ça commence à être difficile, les pompes, hein. Ce qu'on fait, c'est qu'on vient faire que des pompes en rapprochant les genoux du haut du corps pour décharger les épaules. Ouh. Allez, 5 secondes. Gagnez les abdos. Tenez bon. 3, 2 et 1. Ok, deuxième tour validé. C'est bien. Allez, on s'accroche, c'est le dernier tour. Là, on est dans une bonne transpirance, je suis pas toi, Marie. La transpirance, là. Hein. Là, on dégouline, ça dégoulinance. Troisième tour, exactement comme le deuxième. Squat sauté, ça pique, on donne tout au dernier tour. 6 dernières minutes d'effort. Allez, 5, 4, 2, 1. C'est parti. Plie, pousse. Allez, on garde. On reste explosif. Talons sur le sol et décoller. On se fait léger, léger, léger. Quand on atterrit, il ne faut pas trop traumatiser les articulations. Allez, la bête, on s'accroche, on s'accroche. Allez, accroche-toi. Moi, ça pique, on se sent lourd là. Allez, 7, 6, 5, 4, 3, 2 et 1. Ah, ça pique les cuisses. Rappelez-vous, vous avez toujours les options du premier tour. Hein. T'inquiète. Le but, c'est de continuer, continuer, sans s'arrêter. Accrochez-vous. Burpees complet. On reprend interdiction d'abandonner cette séance en cours de route. Vous êtes venu voir, vous êtes obligé de la faire.
3, 2, et un top, c'est parti. Soufflez. Allez, gagne les abdos, pose la poitrine au sol. Fais que la partie remontée de la pompe. Allez, 23 contre 3, plus contre toi-même. Allez, 10 secondes la team. On s'attache au sac gauche. C'est vrai, ouais, il faut rester sur le tapis. On va prendre une bonne douche après, hein. Allez, on récupère un peu. Lâche rien, on est concentré, on est déterminé, on sait qu'on est là pour faire la différence. À tous ceux qui me demandent si les séances suffisent à elles-mêmes, faites-la à fond et croyez-moi, vous allez le sentir passer. Planche commando, c'est parti. Allez, go. Si jamais c'est dur aussi, on sent qu'on a le bassin qui tombe dans tous les sens. On espace ses pieds l'un de l'autre. Ça permet d'avoir plus de stabilité au niveau du bassin. Allez, on gagne bien ses abdos. Rappelez-vous, on engage le périnée. Top pipi, stop autre chose. Alors, ça part du mois. 2, 1, yeah! Top pécule. Allez, goûte sur le tapis. Ouais. Petit coup d'éponge après sur votre sol à la maison, vous nous direz en commentaire. Allez, fin de sauter. 3 exos, il nous reste, ma Clem. 3 exos. Allez. Fin de sauter, on s'accroche. Il reste 3 exercices avant la fin de la séance. Ouh. Allez, il reste 3 minutes d'effort. On lâche pas. Top, c'est parti. Pliez les deux jambes. Gardez l'amplitude sur la jambe arrière. Souffle, gagne tes abdos. Allez, on s'approche, je rappelle. Option facile, fonte alternée. Et je descends bien vers le sol. Allez, j'accélère. En plus, j'ai qui arrête pas de parler. On s'approche. Allez, Clem. Allez, step. Allez, je joue ma peur. Tac. Allez, à la maison. 3, 2, et 1, c'est bien. Clé, pousse en feu. Ça transpire, ça fait pas semblant ici. T'es de la même couleur que ta brassière. Que, mon... que ma brassière. Et de quelle couleur c'est, Clem? Allez, exposing star jack. Allez. Allez, deux exos. On rappelle, plie et pousse. Et un. Allez, souffle. Tout le monde à la maison. Gainé. Stable au sol. Prends groupes. Avec le sourire, ça passe toujours mieux. Allez, on s'accroche, on s'accroche. Allez, la team, allez, la team. Partout. Allez, garde le muscle droit. 4, 3, 2, et 1. Ouh. Prenez votre tapis, mettez-vous au sol, dernier exercice. Allez, on n'avance pas maintenant. Pas maintenant. Rappelez-vous comment vous allez être fiers de vous après. Allez, on reprend dans 7 secondes et c'est les 35 dernières minutes. Dernières secondes, pardon. Allez, top, c'est parti maintenant. C'est parti, on y va. On essaie d'en faire le max possible. Allez, on pousse sur ses genoux. On pousse sur ses mains. On garde le tapis. On souffle. Allez, 15 secondes. C'est rien, 15 secondes. Accroche-toi. Allez, 10. Allez, accrochez-vous jusqu'aux dernières secondes. Allez, on s'accroche avec les 4, 3, 2 et 1. Ouais. Wouhou. Bravo à tous. Merci, bravo à tous. J'ai enfin fait un screenshot, Clem. Comme ça, moi, je peux partager. Et on va faire aussi le cœur spécial écran. Yeah! Approche-toi. Ouais! Génial! Yes!
Merci à tous d'avoir partagé cette séance avec nous. Bravo Maclem, merci d'avoir partagé avec moi. Yeah, merci à tous d'avoir partagé cette séance avec nous. Ouh, c'était le feu, n'est-ce pas Justine? À qui le dis-tu Maclem? J'espère que vous avez bien transpiré, que vous êtes bien surpassé et surtout que vous avez kiffé faire cette séance en même temps que nous. Pensez à vous abonner à nos deux chaînes YouTube et à nous rejoindre sur Instagram, Justine Galis et Feedback Clem. Merci d'avoir été avec nous. On vous fait plein de gros bisous. On vous kiffe.